Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons chanter à la croix avec le maître.
placer, Seigneur, dans nos places, dans les royaumes de Dieu. Combien de sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce moment. Ce moment précieux que tu nous as donné, Seigneur. Et tu nous as choisi, Seigneur, comme des fils bien-aimés. Enfin, Seigneur, que nous puissions être les colonnes, les piliers, placés dans ta maison. Seigneur, nous venons avec nos cœurs. Celui qui ne connaît ni changement, toi qui ne connais ni commencement ni fin,
Nous allons lever pour avec Dieu la parole. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Seigneur, bénis la lecture de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jeudi passé, j'étais parti à Stourbridge, c'est vers Birmingham. Il y a le pasteur John Noble, je ne sais pas si vous le connaissez. John Noble, de Birmingham. C'est l'ancien, c'est parmi les premiers croyants du message ici en UK. Il est parti à la maison, il a traversé les Jourdains. Il avait presque 85 ans comme ça. Il a cru le message quand il avait 17 ans. Et il a vécu toute sa vie dans les messages. Et il nous a laissé, l'enterrement était le jeudi passé. Donc j'étais parti là-bas pour son enterrement. Donc il a vécu pour le but. Donc pour lui, la mort était un gain. Donc il va bien maintenant parce qu'il a fini son travail. Amen. Il n'avait pas d'enfant. Il n'a jamais eu d'enfant. Sa femme est décédée, je crois, 2 ans avant. Et maintenant, lui-même, il est parti. Bon, d'abord, il disait toujours on board. Parce que sa femme était son amie, comme il n'avait pas d'enfant. Mais alors, Dieu a exaucé sa prière. Comme il était board, il est parti là où se trouve le bien-aimé. Là, il est avec tous les bien-aimés qui nous ont précédés. Avec le frère Branham, le frère Mozov, tout le monde. Amen. Quand nous étions partis là-bas, bon, c'était l'enterrement, mais bon, je ne sentais pas vraiment une tristesse en moi. Parce qu'il a vécu 17 ans, de 17 ans jusqu'à 85 ans. Ah, en tout cas, il a vécu. Hein? Donc, c'était triste parce que bon, on ne le verra plus. Mais en même temps, une joie parce qu'il a vécu pour le but. Donc, ce monsieur-là était un exemple. Moi, je dis, bon, nous allons vivre pour le but. Amen. Moi, j'ai toujours dit que le monde n'a plus rien à m'offrir. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. Alors, le temps qui me reste sur la terre, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu jusqu'à la fin. Moi, je vais servir Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons perdu l'enfer, c'est parce que nous sommes au ciel. Voilà pourquoi nous aimons Dieu. Amen. Alors, nous allons continuer avec Genèse, livre, chapitre Sémence. Notre sous-titre était La chute en Éden. Et le sous-titre était maintenant le rétablissement. Donc je voulais parler de la chute, directement du rétablissement, pour faire une connexion. Je voulais parler simplement de la chute, et un jour parler du rétablissement, ça ne serait pas, ça ne collerait pas vraiment bien. Mais quand on parlait de la chute, on parle directement du rétablissement. Voilà pourquoi on a pris les 3 dessins, pour voir, pour montrer comment est-ce que l'homme est ramené dans sa position. Amen. Et on a déjà parlé de ces deux desseins que Dieu avait accomplis pour ramener l'homme dans sa position. Et aujourd'hui, nous allons entamer le troisième dessin. Comme je l'ai dit, on n'a pas assez de temps. Donc d'ici 13h45, je dois m'arrêter pour emballer les histoires, pour laisser les gens qui vont venir après nous. Amen. Je pense que nous allons laisser les chaises. On ne sait pas emballer les histoires. Alors, aujourd'hui, j'ai pris Éphésiens chapitre 1. Nous, nous sommes le corps, comme je l'ai dit la fois passée. La tête, c'est la direction. Christ étant la tête, lui, la parole, c'est lui qui nous montre le chemin. Comme la Bible le dit, que les yeux, c'est la lampe du corps. Un corps qui n'a pas des yeux ne peut pas bien marcher. Or, les yeux sont au niveau de la tête. Mais pour faire les actions, c'est les mains qui le font. Pour marcher, c'est les pieds. Et tous ensemble, ça forme une personne.
Donc Christ, c'est l'ensemble du corps, c'est-à-dire nous et lui. Amen. Et le frère Branham dit que Christ, en tant que tête, lui, il ne peut pas donner la vie. La vie se donne au travers du corps. Et c'est nous qui donnons la vie. Amen. Maintenant, dans Colossiens, chapitre 1, comme le frère Branham l'a dit, que c'est dans ces livres de Colossiens que s'expriment les trois desseins de Dieu. Ces livres de Colossiens nous montrent comment est-ce que Dieu a ramené l'épouse ou son église. Colossiens chapitre 1, la Bible dit, il est la tête du corps. Donc Christ est la tête du corps. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Et nous allons voir avec les citations des frères Branham, je ne sais pas si on arrivera là-bas aujourd'hui, que Christ est la tête du corps. Il est la tête du corps comment? Christ, ce n'est pas l'homme de Galilée. Si on parle de l'homme de Galilée, on ne peut pas prendre l'homme de Galilée et mettre sur nous comme notre tête. Donc c'est quelque chose de spirituel. Et le frère Branham a tout expliqué sur ça. Il a donné les passages bibliques, tout ça, pour montrer c'est quoi peut-être aujourd'hui. Comme on a dit dans le Sunday School, que à chaque fois Dieu se déplaçait, quand il changeait de lieu, les autres restaient dans le point A sans pour autant se déplacer avec Dieu. Or, nous aujourd'hui, après l'ouverture des sceaux, Dieu nous a montré ce qu'il a fait avec nous. On a vu l'objet d'adoration, c'est-à-dire que c'est Logos qui amenait les enfants d'Israël à se regrouper tout autour de la tente d'assignation, ou bien tout autour du tabernacle dans le désert. Ce Logos-là, maintenant, a changé l'endroit. On a vu un enfant qui est né à Kentucky. Ce Logos-là, maintenant, est entré dans l'homme Branham. Amen. Et quand le Logos était dedans, ce monsieur, lui-même qui était le représentant des âges, de l'âge de la Odyssée d'abord, et lui, il a pris tout ce qui s'est passé dans les âges. Frère Branham dit, il a pris tout ce qui était resté en suspense. Il est devenu lui-même maintenant le représentant de tous les âges, parce qu'il devait manifester les fils de l'homme. Et lorsque le Logos est venu en lui, lui, le temple aussi, en ce moment-là, il est devenu lui-même l'objet, les lieux d'adoration. Tout le monde devait être tout autour de lui. Le frère Branham a donné un exemple. Il a donné l'exemple, il parlait de l'ourson. Vous voyez, quand le frère Branham fait rire, c'est la parole. Il dit qu'un jour, il était parti chasser. Et il voit l'ourson, il laisse un petit seau de miel. Comme les ours aiment le miel. L'ourson a commencé à manger le miel. Quand l'ourson a commencé à manger le miel, il a mis sa tête dedans. Et quand il a soulevé sa tête comme ça, le miel était sur lui. Il a commencé à courir avec le seau de miel. Il était tout couvert de miel. Et toute sa famille, la mère ours, le père ours, ils sont tous venus, ses frères, ils ont commencé maintenant à les lécher. Le frère Branham dit, vous voyez, c'est maintenant aujourd'hui. Il est un véritable chrétien. Quand il est plongé dans la parole, tous les autres viennent tout autour de lui, de le laisser. Quand le frère Branham parlait de ça, il parlait de lui-même. Lui-même étant le lieu d'adoration, là où Dieu, il n'est pas l'objet d'adoration. C'est là où les gens ont confondu. Les gens ont dit que le nom de Dieu, c'est William Branham. Non. Il était le lieu d'adoration. C'est-à-dire que les gens devaient se regrouper. Dans le tabernacle, ce n'est même pas l'arche de l'alliance qui était l'objet de l'adoration, ni les chandeliers, mais c'était les logos qui descendaient. Et quand Branham est né, les logos là est descendu là, c'est ce logos là qui était l'objet de l'adoration. Et ce logos là est appelé le Seigneur Jésus-Christ. Le problème c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il change de forme. Maintenant, quand il est venu à Kentucky, il a pris un corps qu'on appelle William Branham. Il est devenu le lieu d'adoration. Mais là où nous sommes en train de parler, là, le corps William Branham n'est plus là. Automatiquement, le lieu d'adoration maintenant change. Là où nous sommes maintenant, où est le lieu d'adoration? Parce qu'après l'ouverture de sceaux, le frère Branham dit que l'adoration n'est plus au ciel. Parce que les anges ont quitté le ciel. Parce qu'il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Frère Branham dit, où est celui, cet homme qu'on adorait, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Maintenant, où il s'est placé maintenant avec nous. C'est là où on dit maintenant, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix
par lui, par le sang de sa croix. Amen. Dans Éphésiens, je ne dirais pas, il dit, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire le même Jésus, le même Dieu qui était dans Moïse. Moïse était le lieu d'adoration. Amen. Dans le désert, le lieu d'adoration, ce n'était même pas comment la tente. Parce que Dieu habitait dans Moïse. Femme a dit que Dieu a habité dans Moïse. Quand Moïse allait sur la montagne, il amenait Dieu avec lui. Dieu n'habitait pas sur la montagne. C'est Moïse qui a amené Dieu là-bas. Voilà pourquoi la dame là a dit à Jésus, nous on adore sur la montagne. Et les Juifs adorent dans les temples. Jésus lui a dit, ce n'est ni sur la montagne, ni dans les temples. Parce que Dieu n'habite pas la montagne. Dieu n'habite pas les temples. Aujourd'hui, dans notre église, dit, quand vous venez à l'église, vous enlevez les chaussures. Ah! Non, portez vos chaussures ici. Parce que Dieu n'habite pas ici. Ce lieu n'est pas le lieu d'adoration. Parce qu'on a dit à Moïse, Moïse, enlève ses chaussures parce que le lieu, là où tu te tiens maintenant, c'est un lieu sacré. Et Moïse enlève ses chaussures. Et quand Moïse est parti, frère, le lieu là, tu peux aller avec tes chaussures, Dieu n'est plus là. Frère, on a dit que la montagne n'était pas sainte, mais c'était le lieu saint sur la montagne. Maintenant, Moïse lui-même est devenu le lieu d'adoration, là où Dieu avait placé toute sa plénitude. Et quand Dieu a quitté l'âge de Moïse, Dieu est venu maintenant en Jésus. Jésus était devenu le lieu d'adoration. Voilà pourquoi les disciples avaient compris. Si Jésus va quelque part, les disciples sont avec lui. Quand il va là-bas, c'est-à-dire l'église était ambulante. Et depuis ce temps, c'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, épousez-moi ce temps. Il dit, non, nous attendons le Messie. Le Messie, quand il viendra, il viendra dans notre temple. Or, la Bible dit, et soudain, le Seigneur entra dans son temple. Frère, quand est-ce que le Seigneur est entré dans son temple? Il dit, il est entré dans son temple lorsque Jésus était baptisé dans le fleuve du Jourdain. Quand la colombe est venue, frère, dit que la colombe là, c'était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il est venu entrer dans Jésus. Quand Jean a vu ça, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Parce que Dieu venait maintenant pour faire la réconciliation avec son peuple. Ça, c'était dans les premiers décès. Et la même histoire s'est répétée. Le même Dieu qui était maintenant en Jésus, il a acheminé les anges de l'Église dans une portion de chaque messager. Mais quand il arrive maintenant au temps de la fin, on a dit que la colonne de feu, c'est la plénitude des attributs de Dieu. Le même Dieu, dans sa plénitude, il vient prendre maintenant un bébé à Kentucky. Il entre encore et il fait de cet homme-là le lieu d'adoration. Amen. Maintenant, ça là, c'était les rachats pour les gentils. Avec Jésus, c'était les rachats pour les juifs. Maintenant, tous les plans complets du rétablissement ou de la rédemption est simple. Je mets ici la pierre faite. Je mets ici la pyramide. Ici, dans les premiers troisièmes de Messie, dans les troisièmes de Messie, c'est Jésus lui-même qui est venu pour accomplir le premier dessein. Ok? Premier dessein. Et quand il a fini, dans les âges de l'Église, maintenant, il vient accomplir le deuxième dessein. Ça, on a déjà vu ça. Maintenant, ici là, le même Jésus, le premier dessein, il était comment le fils de l'homme. N'est-ce pas fait par ça? C'est bien. Enfin, tout est ensemble. Et dans les anges de l'Église, il était le fils de Dieu. Pour les deuxièmes desseins. Amen. Maintenant, quand il revient maintenant dans les troisièmes desseins, parce que les troisièmes desseins, c'est ce que nous croyons, n'est-ce pas? Troisième dessein. Parce que nous croyons que nous sommes déjà ici dans les troisièmes desseins. Et nous allons voir ça avec le frère. Là, il ne se révèle plus comme le Fils de Dieu, ni comme le Fils de l'homme,
Mais il se révèle comme le fils de David. Amen. Or, il est le fils de David où? Il est le fils de David dans le royaume. Et le frère m'a dit que le royaume ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Quand Jésus est venu, Jean disait, préparez-vous car le royaume des cieux est proche. Attention, le proche de Dieu, comme je l'ai toujours dit, quand Dieu vous dit que c'est proche, c'est-à-dire que c'est déjà là. Ouais. Quand Jean disait que le royaume des cieux est proche, Jésus était déjà là, parce qu'il s'en est au même moment. Donc le royaume de Dieu, c'était Jésus de Galilée. C'est lui qui était le royaume. Et quand Jésus nous est venu, il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et le frère Madame dit que Jésus était la pierre de fête pour la dispensation des Juifs. Et quand il vient maintenant, pour accomplir son troisième dessein, il vient, comme étant le fils de David, il vient ramener un royaume. Le royaume qu'il ramène, ce n'est pas un royaume dans l'entraînement des hommes. C'est le rétablissement du royaume. Frère Madame dit que le royaume qu'il ramène, c'est l'Éden qui était. Qui avait été déplacé de sa position. En fait, il vient ramener l'Éden dans sa position. C'est-à-dire notre position en Christ. Amen. Il vient nous ramener dans l'endroit où nous devions être. Amen. Amen. Maintenant, ici là, comme on a dit, nous sommes du premier au quatrième saut. Amen. Ici, c'est les âges d'église. Là-bas, ce n'est pas les âges d'église. Ça, c'est pour les juifs. OK? Et le cinquième et le sixième saut s'est passé ici, là. Cinquième et sixième saut. Parce que la naissance de la pierre de fête, Frère Madame dit que c'est le septième saut. Amen. Donc, le cinquième saut, c'est le troisième dessin. Et dans le septième saut, il n'est pas le fils de Dieu, parce que la pierre de fête, ce n'est pas les anges de l'église. La pierre de fête, Frère Branham dit que c'est l'ouverture de saut. Quand les anges sont venus, ils formaient une pyramide. Quand la pierre de fête est descendue, c'était la fin des anges de l'église. Et le Frère Branham dit que le livre n'est pas ouvert à les anges. C'est-à-dire que si nous sommes dans la pierre de fête, c'est-à-dire que nous sommes déjà sortis des anges. Et si on sort des anges, c'est-à-dire qu'on quitte l'endroit où il prenait prééminence de son église, avec les sept messagers. Et lorsque on finit les âges d'église, il vient maintenant lui le septième saut. Ici là, il vient pour racheter son église. Ici là, il vient pour enlever. Quand il arrive dans l'âge de la Odyssée, il enlève. Et quand, après l'enlèvement, ici, il vient avec. Donc il vient pour racheter, il vient pour enlever. Après l'enlèvement, dans le septième saut, il vient avec son épouse. Et quand il vient avec son épouse, c'est la descente du royaume. Amen. Et ceci est exprimé de plusieurs manières. Et ce royaume-là, c'est ce que Daniel avait vu. Frère Branham dit que la cinquième, le royaume-là, avait. C'était quatre royaumes. Je vais prendre cette image. Frère Branham dit que la statue là représentait l'église des gentils, n'est-ce pas? La tête d'or qui était dans l'Ouganda, c'est lui-même, et puis Silver, c'est argent, n'est-ce pas? Argent. C'était le Médo-Perse. Après, au niveau de la taille, c'était l'Empire grec. Et au niveau des pieds, c'était l'Empire romain. Et puis c'est fini. Mais, soudain, on voit maintenant une pierre qui était descendue d'une montagne sans le secours d'aucune main. Et quand la pierre-là est venue, qu'est-ce que cette pierre-là est venue faire? La pierre-là est venue casser la statue du roi. Quand la statue a été cassée, la pierre-là maintenant a pris la place. Et le frère Branham dit que la pierre-là, c'était la pierre que Daniel avait vue. Et le frère Branham dit que lorsque Jésus est entré dans la cinquième dimension, il est entré dans la cinquième dimension, et il a ouvert la place, la porte, il a libéré tout cela qui était dans la cinquième dimension au paradis. Amen. Amen.
Il y a une interview d'un pasteur qui dit qu'il était au paradis. Ça crée des histoires. On a marqué des situations de Frère Bonhomme. Le paradis est supprimé. Toi, tu étais dans quel paradis? Je dis que non, ton témoignage ne cadre pas avec le message. Frère, le message de Frère Bonhomme, avant d'ouvrir ta bouche de parler, réfléchis deux fois. Parce que ici, là, c'est la parole. Parce que l'urine tourne. Le message de Frère Bonhomme est entre les mains même de petits. Tu seras convenu par un petit de 12 ans. Amen. Quand Jésus est entré, Frère Branham dit que chaque personne l'a décrit selon ce qu'il a vu. Il dit que lorsque Daniel le voit, Daniel dit que voici la pierre qui est descendue de la montagne sans le secours d'aucune humaine. Et cette pierre-là, c'est Jésus. Or, une pierre, c'est le rocher. Le rocher, c'est la révélation. Comment est-ce que la pierre détruit la statue du roi? La statue du roi, c'était les anges de l'église, là où les dogmes et les créneaux étaient mélangés. Maintenant, quand la pierre vient, la pierre amène la révélation complète. Amen. De qui est Jésus. Quand il est venu maintenant, c'est lui qui nous a montré maintenant les lieux d'adoration. Amen. Il nous montre maintenant l'objet d'adoration. Il nous montre maintenant le nom de Dieu. Quand le frère est venu, il nous a montré toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ces choses-là ont fait? Ces choses-là ont mis KO les églises du monde. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, aucune église ne peut se tenir devant le message. C'est ça la pierre, c'est ce que la pierre a fait. Et puis, quand vous êtes devant un incrédule, quand vous lui parlez, il comprend que tu as raison, il fuit. Ça, c'est la destruction, du temps, de la statue. Or, avant la venue de Frère Branham, toutes ces églises-là étaient à l'aise. Les gens pensaient que Luther avait mis les catholiques mal à l'aise, mais pas vraiment. Pas vraiment. Il continuait toujours. Parce que Luther n'était pas la pierre. Mais lorsque le frère Branham est venu, le frère Branham dit, avant l'ouverture du sceau, il était en train de présumer. Et lorsque le sceau était ouvert, le frère Branham dit qu'il n'avait plus d'amis. Le frère Branham était invité partout pour aller prêcher. Mais après l'ouverture du sceau, il a prêché le message Shalom. Dans une petite maison avec quelques têtes. Il faut écouter ce message-là. Il y a une grande bénédiction. Mais c'était simplement house meeting. Frère Branham dit que je suis ici, peu importe le nombre déjà, je vais livrer mon message. Et le message était Shalom. Ce message-là est venu après l'ouverture du sceau. Parce qu'après l'ouverture du sceau, les frères Branham n'avaient plus d'amis. Les gens-là, quand ils invitaient les frères Branham chez eux, ils pensaient que les frères Branham étaient leurs amis. Or, le frère Branham était lui-même la pierre de fête. Quand le frère Branham. Ah non, le frère Branham était hors du fanatisme. Ouais, aujourd'hui, beaucoup de gens, il a sa conviction. Non, moi, je défends ma conviction. Je défends ma conviction. Si tu ne me donnes pas ton argent, tu restes avec ça. Mais moi, je montre ce que je crois. Quand les gens ont commencé à inviter le frère Branham, ils ont invité le frère Branham. Il pensait que le frère Branham était comme eux. Je disais qu'il y a beaucoup de gens. Il a. Bon, je ne sais pas si j'appelle ça conviction. Il dit aujourd'hui, frère, Jésus est venu. Il va chez un grand pasteur, on le vite là-bas. On dit, non, arrête de prêcher ça. Non, mais ici le frère Branham dit, non, arrête ça, parce que tu vois. Moi si je crois à ça. C'est ça qu'il me dit. Moi si je crois à ça, mais ça c'est pas bien, ne prêche pas ça, c'est pas bien. Frère, ça c'est Satan. La séduction. Comme le frère Armand, ils étaient partis dans une fête dernièrement. La fête d'anniversaire. On invite un frère qui est venu de la France. Il vient là. Non, les gens, quoi, il dit le millénium, c'est de faux sortir. Papa, c'est l'anniversaire. Qu'est-ce que le millénium a fait? Le frère Armand, lui aussi, comme il n'abandonne pas, va suivre le frère, il dit, ah frère, j'ai suivi ta prédication là. Maintenant, attends, regarde ce que le frère Branham dit. Le septième millénaire, c'est le millénium. Il dit, ah frère, moi aussi je crois le millénium. Il dit, comment est-ce que tu crois le millénium? Tu es en train de prêcher contre ça. Maintenant, ce que je t'ai montré ici, démontre-moi le contraire. Sommes-nous dans quel millénaire? Ah frère, oui, nous sommes dans le septième millénaire. Maintenant, nous sommes dans le millénaire, oui ou non? Oui, frère, nous sommes dans le millénaire. Le frère Branham l'a dit. Il dit, mais alors, dis-moi, frère, ne t'en fais pas, moi aussi, je crois à ça.
Donc, c'est-à-dire, il le faisait pour faire plaisir, ou soit il ne comprend pas ce qu'il prêche. Maintenant, un homme comme ça va se mettre devant, prêcher les gens. Il n'a pas de conviction. Frère Branham dit, je préfère un homme sincère, avec sa fausse doctrine. Moi, j'aime quelqu'un comme ça. Un homme qui dit que Jésus n'est pas venu, s'il est sincère, que Dieu le bénisse. Mais un homme qui dit que Jésus est venu, il va là-bas, on lui donne l'argent et il va arrêter de prêcher. Non, non, non. La pierre de fait est venue pour briser les statues. Frère, aujourd'hui, dire aux gens, frère Madame dit, l'enlèvement est une révélation. Amen. Si tu as la révélation, ça veut dire que tu es enlevé. Or, les gens ont placé leur pensée, c'est-à-dire que leur projet se tourne vers l'enlèvement. C'est-à-dire qu'un jour, frère, nous allons nous envoler. Donc, l'espoir se repose là. Si tu vas nous dire que, frère, l'enlèvement, c'est du passé, hey! Mais là, moi, avec ma conviction, je suis convaincu. Moi, ce que j'aime avec le message, c'est qu'aujourd'hui, tu peux prouver ce que tu crois. Quand j'ai dit, frère, comme un frère en Espagne, quand nous étions partis à la convention. Le frère, il était venu de la Finlande. On dit, ah frère, non, non, frère, ah frère, quel millénaire, frère. Ah, il y a des doctrines dans ce message. Mon frère, toi, tu n'as jamais entendu parler de ça. Et non, c'est la parole de vos frères. Oh frère, si vous dites qu'on est dans le millénaire, c'est que l'enlèvement. Alors, où est l'enlèvement? Parce que l'enlèvement devait venir avant le millénaire. On dit, frère, l'enlèvement, c'est déposé. Mais frère, ne t'en fais pas. Le problème, c'est que on a mal compris le frère Branham. J'ai suivi un monsieur. Quand il a commencé à parler, j'ai dit à ma femme, ça c'est incroyable le message. Il parlait de prophète mineur, prophète majeur. Moi, je dis, ça c'est l'appel du message. Et le frère me dit que voilà, Branham n'était pas prophète. Parce qu'il a donné des promesses qui ne se sont pas accomplies. Le journaliste lui demande, oh, quelle promesse. Il dit que c'est le message du temps de la fin. Lui-même, il est parti. On n'est pas encore arrivé au temps de la fin. Voilà un homme qui n'a jamais compris le frère Branham. Et le frère Branham nous a dit que le temps de la fin veut dire la fin de la 70e semaine. Amen. Regarde, avec sa mauvaise compréhension, il appelle le frère Branham faux prophète. Et les gens iront jusque-là. Parce que si les gens ne comprennent pas les promesses de Dieu, selon le frère Branham, selon ce que Dieu a donné au prophète, le frère Branham sera un faux prophète. Parce que quand le troisième décès arrive, tout ce qui est dans les âges d'église doit terminer. Parce que dans les âges d'église, quand on parle d'enlèvement, on parle d'enlèvement dans les âges d'église. Alors le frère Branham dit que le livre est ouvert en dehors des âges. Vous avez le livre, mais vous attendez les promesses des âges d'église. Et moi, mon travail à moi, je suis une pierre de fait. Quand je viens briser ça. J'ai dit, frère, tous les espoirs que le diable vous a donné, avec une mauvaise compréhension, de ce que vous appelez l'enlèvement, doit tomber. Parce que c'est ça le rôle de la pierre. Et lorsque si tu es un enfant de Dieu, quand tu vas examiner la parole, tu diras, frère, tu as raison. Parce que nous aussi, on croyait comme ça. Quand on me dit, non, que non, le livre n'est pas ouvert dans les âges d'église. Oh! Mais quel livre? Le frère Branham précise, le livre, c'est le livre de sept sceaux. Waouh! Quand je regarde dans la rue, ah, mes frères, mais ça c'est le livre, non? Donc c'est-à-dire que les âges d'église, on préfère. Oh! Comme l'enlèvement, c'était dans le quatrième sceau. Et le livre, c'est déjà le septième sceau. Donc, cet enlèvement-là, c'est déjà du passé. Comme le frère m'a dit, frère, donc, toi tu as manqué l'enlèvement. Moi je dis, non, je n'ai pas manqué l'enlèvement. Je suis parti et je suis retourné. Ah! C'est ça la pierre de fait, frère. Ça brise la statue, moi. Comme un frère là. Quand il voit le frère, il fait l'ouvre. Quand il voit, ah, frère, comment? Tu es encore là-bas, mais tu es déjà directeur. Bon. Nous, on présente les messages comme cela a été prêché par le prophète de Dieu. Amen. Donc. Dans le deuxième décès, il est venu pour enlever. Quand il arrive à l'âge de l'homme, il enlève. Frère Branham dit que l'épouse est amenée dans le sixième sceau. Le problème, c'est que lorsque maintenant nous sommes entrés dans la tribulation,
dans les trois ennemis. C'est là que s'accomplit les cinquièmes sceaux qui étaient les âmes sur l'autel. Les sixièmes sceaux, c'est le sceau de la tribulation. Et le frère Branham nous dit que ce sont les deux témoins qui ont ouvert les sixièmes sceaux. Frère, les sixièmes sceaux sont ouverts? Oui, monsieur. Maintenant, quand la pierre vient, la pierre te dit que si les sixièmes sceaux sont ouverts, c'est-à-dire que Élie et Moïse sont déjà venus dans les trois ans et demi. Amen. Mais toi, tu les as venus où? Non, frère Branham dit que l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse sont en train de venir, et l'esprit de Christ, les trois dans un homme. Non, frère, ce n'est pas possible. Mmh. Oui, sur la montagne de la transfiguration, quand il se tient là, il y avait Élie et il y avait Moïse. Et même Christ qui était là. Quand Pierre a regardé comme ça, il n'y avait que Jésus seul. Frère Branham dit, où est Élie et Moïse? Ils étaient en Christ. Amen. Et le frère Branham lui-même, il est devenu Élie. Et Moïse, il a accompli le septième âge de Christ. Amen. Il a accompli le troisième demi. Et il nous a amenés dans la pierre de fête. Amen. Parce qu'il a dit, l'âge de la Odyssée exposé, que ce messager du 7e âge aura le ministère prophétique de la pierre de fête. Amen. Et il aura la puissance de l'infaillibilité. Et le frère Branham, son ministère est infaillible. Beaucoup de gens ont mal compris. C'est la dénomination qui nous a détruits. C'est ça qu'on a menti aux gens dans le désert. On pousse Aaron, à aller construire une statue. Le veau d'or. Quand il construit la statue comme ça, et qu'est-ce qu'Aaron dit? Il dit que, enfant d'Israël, regardez les dieux qui vous ont fait sortir du pays d'Égypte. Est-ce que quand vous étiez dans le pays d'Égypte, vous avez vu une statue d'or? Avez-vous vu un veau d'or? Non, c'était la colonne de feu. Comment est-ce qu'un homme vient, il vous montre la statue pour vous dire que c'est lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte? C'était même pas une affaire de prier, c'était quelque chose de visible, frère. Quand il marchait, la colonne de feu était devant eux. Et maintenant, on vient leur présenter un autre Dieu. On leur dit que voilà la personne qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et ils ont cru ça. Et Moïse était là-bas sur la montagne. Et tout ça, ça s'est passé dans les âges de l'Église. Et quand le frère Branham vient, lui, comme étant Moïse, il revient avec la table de la loi. Le frère Branham dit, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Le frère Branham dit que Moïse a pris les tables de la loi, il a cassé la statue avec. Or, les sceaux, quand ça arrive, ça casse la statue-là. Parce que la statue-là, c'était dans les âges de l'Église. Tous les crédos et dogmes nous disant que le veau d'or, c'est notre Dieu. Non. Oh, l'Église, c'est notre Dieu. Non. Dieu n'habite pas dans l'Église, frère. Dieu habite dans les hommes. Dieu de la nature. Dieu dans son fils et Dieu dans son peuple. Amen. Si vous cherchez Dieu aujourd'hui, c'est dans l'épouse. L'épouse dans le troisième dessin, c'est elle-même qui est le royaume. Amen. Voilà pourquoi on a décrit le royaume étant comme étant la ville qui descendait de la montagne. Alléluia. La ville qui descendait du ciel. On a dit déjà, viens voir la ville, virgule, l'épouse de l'agneau. Donc la ville, le royaume, c'est l'épouse. La venue de l'agneau, c'est la venue de Jésus, épouse. Amen. Amen. C'est Jésus ensemble avec son épouse. Si ça est bien, ok. J'écris trop. Ça va? J'ai baissé le volet. La venue de Jésus, épouse. Et la pierre de fête a été un grand problème. Parce que Jésus. Les frères vont nous dire ceci. Il dit, et troisièmement, rétablir le royaume, comment? Dans sa position correcte. Bon, le royaume n'était pas détruit. Amen. La fois passée, j'ai dit que le royaume a été détruit. Ce n'est pas ce que je devais dire, je corrige ça. Le royaume a été déplacé. Vous voyez? Le royaume a été déplacé de sa position correcte. Maintenant, qu'est-ce que le troisième dessin fait? Le troisième, il dit troisièmement, rétablir le royaume dans sa position correcte, perdu par les péchés du premier Adam, comme c'était quand il marchait avec son peuple dans la fraîcheur du soir. Vous voyez? Parler avec eux, fraterniser avec eux. Donc le royaume qui est rétabli nous ramène dans cette position-là où Dieu descendait dans la fraîcheur du soir, il parlait avec son peuple. Donc ça rétablit la relation qui existait entre père et fils. Parce que l'objectif de la création d'Adam, c'était pour adorer son père. Voilà pourquoi le frère Branham dit que l'adoration a quitté le ciel et maintenant sur la terre. Et les hommes maintenant, quand ils arrivent là, ils sont maintenant dans la véritable adoration, dans l'adoration parfaite.
Mais voilà que le péché et la mort les avaient séparés de sa présence et de toute l'expression de lui-même. Vous comprenez? Avant la fondation du monde, d'exprimer tous ses attributs. C'était simplement Dieu dans son plan. Maintenant, dans la prédication de M. Kéléretti, là, le premier banane nous a expliqué le ministère du royaume. Maintenant, ce ministère du royaume, le frère Branham base d'abord la prédication sur Apocalypse chapitre 10. Or, Apocalypse chapitre 10, c'est la descente de l'ange du sang. C'est Christ, le frère Branham dit que c'est Christ qui descend, qui met un pied sur la mer, qui est le peuple, et qui met un pied sur la terre. Le frère Branham dit que la terre, c'est l'Amérique, le nouveau monde. Et il va jurer. Frère Branham dit maintenant que le numéro un du mystère, c'est le mystère du royaume. C'est-à-dire, le mystère du royaume des cieux, c'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Matthieu 13, 3 à 15. Je ne vais pas dire ça, c'est trop long. Maintenant, quand Jésus donne les paraboles du royaume, il donne beaucoup de paraboles. Il dit comme un... un semeur qui va s'aimer en s'aimant la lumière aussi le diable est venu lui aussi il a s'aimé. On a dit est-ce que qu'on aille maintenant arracher, on lui dit, non, laissez le croître ensemble, parce que quand ça est dans l'état sémence, vous n'allez pas discerner qui est qui. Laissez le croître ensemble. Maintenant, durant les âges de l'église, le temps que les champs étaient en train de croître, tout était presque semblable. Tous, Jésus-Christ, tous frères Branham, ok? Après la croissance, maintenant, il dit que le maître de la moisson enverra ses anges. Maintenant, quand les anges sont venus au temps de la moisson, c'est là où maintenant on a découvert qui est qui. Parce que quand ça va croître comme ça, chaque arbre maintenant va produire les fruits. Là, on voit le blé va produire du blé. On voit maintenant l'ivraie qui ressemblait au blé, mais il n'y a pas de blé. Quand on amène maintenant les promesses de Dieu accomplies, c'est un problème. C'était comme ça dans la première venue. Tous attendaient le Messie de venir. Mais le problème, c'est que quand le Messie est venu, il n'y a que peu qui ont compris que le Messie est sur la terre. Amen. Regardez le livre éthiopien. Lui, il n'était même pas avec eux. Il était loin. Il était en train de lire Esaïe. Il est en train de lire Esaïe. Il dit, qui est cet homme? Et Dieu envoie Philippe. Quand Philippe arrive là, il dit, comprends-tu ce que tu es en train de lire? Il dit, non, comment est-ce que je vais comprendre si personne ne m'explique? Il dit que non, le monsieur là, c'est Jésus qui était là. Comme c'était une semence de Dieu, il dit, ah, mais si c'est comme ça, mais baptise-moi. Il dit non, Philippe dit non, où est l'eau? Il dit, il y a de l'eau là-bas. Automatiquement, il s'est fait baptiser. Voilà une semence qui a reconnu la parole de Dieu. C'était simplement, du blé dans le même champ que les vrais. Tous, maintenant, quand ils arrivent maintenant à l'accomplissement des promesses, c'est là où on comprend qui est qui. Et aujourd'hui, nous vivons au moment où tout est accompli. Amen. Mais là, quand on amène là les promesses, aujourd'hui, ce n'est même pas promis, mais c'est déjà du passé. Quelque chose que les gens attendent dans un futur lointain. Mais nous le voyons déjà dans un passé lointain. Parce que l'enlèvement, c'est quoi aujourd'hui? Parce que l'enlèvement, frère Branham dit que si 12 personnes vont l'enlèvement, ça va m'étonner. Frère Branham, quand tu disais ça, c'était en parabole ou bien, frère Branham, c'est la réalité. Si même les 12 vont dans cet enlèvement-là, ça m'étonnera. Pour vous dire que personne n'ira. Ils pouvaient descendre même deux, ça m'étonnera. Et le jour de la descente de la nuée, la seule personne qui a été prise de la nuée, c'est le frère Branham. L'enlèvement par représentation. Nous étions tous là, parce que nous sommes les logos. Avant ma manifestation dans la chair, j'étais déjà là. Quand le frère Branham était là, j'étais là dans la colonne de feu. Comme il a été nous-mêmes en colonne de feu, la plénitude des attributs de Dieu, j'étais dans la colonne de feu, j'étais à l'effort maintenant. Et lorsqu'il a été enlevé, j'étais enlevé vers lui. Amen. Lorsqu'il a rencontré les anges là-bas, quand ils ont fini leur concertation, leur conférence, le frère Branham est redescendu. L'enlèvement ne veut pas dire que tu ne vas plus mourir.
Parce que sinon la Bible va se contredire. La Bible dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et Paul dit nous n'aimerons pas tous, mais tous nous serons changés. Le problème, c'est quoi les changements? Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Vous allez voir que le 7e âge, il ne passe pas par la mort. C'est un âge qui va dans l'enlèvement vivant. Et le 7e ange est parti dans l'enlèvement vivant avec son groupe. Amen. Le problème, c'est que quand il fait l'enlèvement, après il retourne là. Quand le royaume est descendu, il est venu maintenant mourir, accomplir aussi la loi de la mort. Amen. Parce que celui qui est censé être enlevé, ce n'est pas la chair. Parce qu'il vient comme un voleur dans la nuit. Et la nuit, c'est les âges de l'église. Amen. Les voleurs ne viennent pas voler comme à vos murs. Les voleurs viennent voler ce qui est dans la maison. Enfin, c'est clair, non? Ça, c'est quel voleur là? Il ouvre la porte. Oh. Mais toi, mets la porte où? Un véritable voleur, il vient chercher la chose de valeur. Ouais. Si les voleurs, comme au Congo là-bas, s'ils savent que vous avez quelques diamants dans la maison. Frère, tu peux avoir une grande voiture. Rolls, je ne sais quoi. Si tu as seulement un diamant comme ça, le voleur sait, il n'est pas bête. Il sait que dans ce diamant-là, il y a des millions et des millions de voitures qui sont dehors. Là. Au lieu de voler seulement la voiture, moi je vais seulement entrer dans la maison. Et puis quand on vole le diamant-là, le monsieur il n'est pas bête, il ne fait pas de bruit. Il va entrer secrètement dans le silence total. Il va même chercher, comment vous savez, le film des ninjas, ils avaient des chaussures là qui ne faisaient pas de bruit. Le spadrille. Il entre là secrètement et il sait déjà où se trouve le diamant. Il vient seulement voler le diamant. Quand tu dors, quand tu vas te réveiller le matin, quand tu vas chercher le diamant, c'est déjà parti. C'est ce que Dieu a fait. Jésus, il vient quand même voler dans la nuit. Il vient voler la chose la plus valeureuse de toi, c'est l'âme. Amen. Jésus ne cherche que l'âme de l'homme. C'est une fois qu'on a dit que la parole de Dieu a été envoyée pour l'âme de l'homme, pas pour le corps. Amen. Et Jésus va enlever, d'abord, il va enlever ce corps. Pourquoi? Parce que ça serait contre la loi. Parce que ce corps est venu de la poussière. Lui, il va emmener ça où? Si tu veux partir, si Jésus vient pour enlever le corps, la terre va dire, on me met. Où est-ce que tu ramènes? Non, ça c'est moi. Toi prends ce qui est toi. Faut dire que ce qui est l'homme, ce qui est Dieu dans l'homme, c'est son âme. L'âme est Dieu, mais le corps est la terre. Nous sommes 100% Dieu dans l'âme et 100% homme dans la chair. Cette chair vient de là. Voilà pourquoi la chair là doit retourner. Là, c'est une loi. Le frère qu'on a enterré chez lui. Le frère a parlé d'enlèvement. Lui, il avait 87 ans. Mais quand il est rapture, moi j'ai dit, il faut faire de l'année. Mais là, quand il quitte la chair, sûrement il a compris que le véritable rapture, c'est lorsque maintenant tu te sépares de cette maison de pestiférée. Et le frère vraiment chantait les cantiques comme un oiseau qui s'échappe d'une prison. Je m'envolerai. Et ils ont changé les cantiques en français. En anglais, on dit, Alléluia, when I die. I fly away. You fly away when you die. Et la mort, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Les mystères, les femmes ont dit. Maintenant, in the last days, the two bright church, c'est-à-dire le principe, la semence de Christ, will come to the headstone. C'est-à-dire la semence de Christ viendra dans la pierre de fête. Parce que le frère va l'emmener. Merci, frère président. Que le Seigneur me dise. Ah, fly away, oh glory. Frère président, merci. J'ai totalement oublié. Il y a un frère qui disait, non frère, le frère Branham ne va pas passer seulement 45 minutes. Il m'a dit, ah, comment? Parce que si l'esprit te prend, le frère Branham met dans le dit, non,
homilie. Tu prends trop de temps quand tu prêches. Les gens là, ils ne sont pas intelligents pour tout comprendre. Mais si le Saint-Esprit continue à m'alimenter, je continuerai à m'alimenter. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, je ne peux pas m'arrêter. Mais là, ici, on nous arrête. C'est vraiment. Ah, ça, c'est comme les sommets de frères prises. Qui se coupent à 1h du matin. Que le Seigneur vous bénisse. Ça nous doit être un peu fast. Thank you.